Bonjour à toi, c'est Rémi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo bagnole carrette aujourd'hui, puisque on va voir un petit peu ce que ça vaudrait d'acheter en occasion la Toyota Corolla de 12e génération. Toyota Corolla Dixit, une des voitures, si ce n'est la voiture la plus vendue du monde. On verra les chiffres là juste dans la vidéo. C'est des chiffres. Mais avant de commencer, si on entend ça au micro, on écoute les cigales. Parce que dans les Alpes-Maritimes, c'est pas ce qui manque. Et également avec les cigales, je vais te demander de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications si ça n'est toujours pas fait pour ne rater aucune vidéo. Et d'y laisser un pouce bleu, ça sera à la fin si jamais la vidéo t'a plu. On va essayer de maintenir ça bien, on va faire les choses au calme. Je suis arrêté au niveau d'un arrêt de bus, ça n'a aucun sens. Alors pendant que je fais un bref tour de la voiture, quelques généralités. Donc effectivement, c'est une des voitures, si ce n'est la voiture la plus vendue du monde, avec plus de 50 millions d'exemplaires au mois de juillet 2021, lorsque le relevé a été fait. Alors, il faut savoir aussi que de 2006 à 2018, en France, la Toyota Corolla n'existait plus. Elle a été remplacée par la Toyota Auris. C'est cette bagnole-là que vous voyez juste à côté pour le titre de comparaison avec cette Corolla que vous voyez actuellement à l'écran. Alors pourquoi Toyota a à l'époque fait le choix de supprimer la Corolla et d'en faire une Auris? Ça, on ne sait pas. Est-ce que c'est des problèmes d'utilisation du nom Corolla, ou est-ce que c'est tout simplement un peu référence à Porsche? La Corolla ayant un énorme succès et étant le modèle le plus vendu de chez Toyota, ils se sont peut-être dit bon, on en a marre de cette image, on va supprimer la Corolla pour faire autre chose, comme ça roule, un petit peu comme Porsche à l'époque avec la 911 qui était un tabac phénoménal, et qui s'est dit on va la supprimer, on va faire autre chose, les Porsche à moteur avant. Et puis ça n'a pas marché parce que la 911 elle existe toujours aujourd'hui. Donc comme je le disais, 12 générations pour le moment, on n'exclut pas une 13e. J'espère d'ailleurs qu'une 13e génération arrivera assez vite. 12 générations, et ça depuis 1966. Alors la toute première Corolla, en 1966, qui ressemblait à ça, ce que vous voyez à l'écran. Et donc en France, la Corolla est de retour depuis cette 12e génération. Elle est de retour en berline et en break. Le break est appelé Touring Sport. Il existe également dans une version sportive, un petit peu comme toutes les Toyota, la GR Corolla. Enfin, la Corolla GR Sport, pardon. Donc, au niveau des dimensions, c'est une voiture qui fait 4,37 m de long, une largeur de 1,79 m, une hauteur de 1,43 m, et elle a un empattement de 2,64 m. L'empattement, c'est donc la distance entre ces trous-là et ces trous-là. C'est un véhicule qui fait 1 tonne 285 malgré tout le système hybride, les batteries, etc. Je trouve que c'est un poids plutôt contenu. Le coffre, alors Toyota nous annonce un coffre avec un stockage de 361 litres. Bon là, il y a quelques bricoles, mon sac et tout le reste, mais il y a quand même de quoi faire un petit week-end, mettre deux, trois valises, peut-être même plus en forçant un petit peu. Après, on rabat les sièges et on a quelque chose de bien. D'ailleurs, on va essayer tout de suite. Je sais pas si on arrive à avoir un plancher plat. Non, on n'a pas de plancher plat, parce que regardez ici, on a une bordure. Ça, c'est le dos du siège, et là vous avez un creux et le coffre. Donc on n'aura pas de plancher plat, et les sièges se rabattent assez facilement. Alors c'est un véhicule qui utilise la plateforme Toyota TNGA, c'est une plateforme qu'on aura déjà rencontrée sur la Prius 4 et le Toyota CHR de première génération, celui qu'on a tous connu en France. Je dis tous connu parce qu'en fait là il y a une nouvelle génération qui arrive et qui ressemble à ça. Bon. Et donc cette plateforme, elle autorise donc une motorisation hybride essence, l'hybride diesel n'a pas pris chez les constructeurs, qui ici doit être en 122 chevaux, sachant que aujourd'hui au catalogue, le modèle de base en hybride, il est à 140 chevaux. Il y a une mise à jour sur les motorisations hybrides, et on a de l'hybride aussi sur la GR Sport, puisque c'est un moteur de 196 chevaux cumulés, on parle bien de chevaux cumulés ici, puisque vous avez une motorisation électrique et une motorisation thermique. Donc épaulé à cette motorisation, on utilise ici donc une boîte de vitesse qui est appelée boîte de vitesse CVT.
CVT pour Continuous Variable Transmission. Alors, je ne vous fais pas le principe de notre fonctionnement précis. Vous voyez les scooters, la boîte de vitesse qu'il y a sur les scooters. Grossièrement, c'est la même chose. Ça donne cet effet où, en fait, quand vous accélérez, le moteur va monter à un régime constant et vous allez monter en vitesse. Il n'y a pas de passage de rapport comme des boîtes automatiques classiques ou des boîtes manuelles. Et pour ceux que ça intéresse, vous tapez boîte CVT sur Google et vous aurez le principe de fonctionnement. Alors, on va terminer un petit peu le tour extérieur de cette voiture en parlant un petit peu des jantes. Alors, c'est ces jantes là sur cette version, donc ça doit être, on doit être avec une Toyota Corolla dynamique ou business dynamique, et c'est du 255-55-16, c'est écrit là en bas, donc hybride effectivement, c'est rappelé là, hein, c'est pas une mazoute. Alors les feux, on a une petite signature, une signature lumineuse, qui est ici, hein, il y a trois petites diodes ici qui s'allument en blanc, ou là d'ailleurs, non là, qui s'allument en blanc en fait lorsque vous roulez, et ensuite bah, ça a l'air d'être des feux halogènes je crois, hein. C'est pas... Ah, peut-être LED. Ah non, c'est des feux LED ici. C'est des feux LED. On les voit, ils sont là-dedans. Là. Il n'y a pas d'ampoule, donc c'est des feux LED. C'est déjà des feux LED quand même. Alors, je vais pas vous les allumer, on va rien voir avec le soleil. Et donc, à l'arrière, bah, ça donne ça. Vous voyez, les feux un petit peu à la Lexus, c'est-à-dire il y a un plastique blanc transparent dessus avec l'intérieur des feux qui est coloré. N'est-ce pas la Renault Clio 5 Phase 2 hein, qui fait ça que maintenant. Et là aussi, c'est du LED. Effectivement, je vois pas d'ampoule. Donc c'est aussi du LED. Alors putain, le capot est brûlant, le moteur pour ceux que ça intéresse, donc c'est un Alit 8 hybride de 122 chevaux sur cette version. Donc ça ressemble à ça, avec toute la partie électrique là-bas. Et je vais vite fermer le capot parce que je me brûle les doigts. Alors rapidos du coup aussi, donc l'intérieur, vous avez donc une sellerie tissu, comme vous pouvez voir ici, hein, là c'est les sièges arrière, avec là au milieu un accoudoir central, là, le petit rectangle. Et bon, grossièrement là je suis réglé pour ma taille, bon au niveau de la place... Je vous la fais à la voix off, parce qu'en fait au moment du tournage de la vidéo, j'étais un peu surexcité, donc j'ai dit de la merde. En fait au niveau de l'espace arrière au siège, avec mon réglage à 1m80, j'ai encore à peu près 5 cm au niveau des genoux, je touche pas du tout le siège à l'arrière, et je peux effectivement glisser mes pieds dessous le siège conducteur, avec la hauteur qui était réglée au moment du tournage de la vidéo. Et puis globalement, on est quand même pas trop mal assis. Disons, pour un trajet, pour aller en week-end, ça va bien se passer. Faut pas trop être exigeant, c'est pas une Bentley. Allez, je vais monter de l'autre côté, là, je vais vous faire plaisir, regardez ça. Hop là. Bon, de l'autre côté, le siège est un peu plus reculé quand même. Ah, donc, hop, on ferme pour s'isoler. Et ben en fait non, j'ai été monteur, vous voyez, j'aurais dû tester avant, hein. J'ai encore un petit peu d'espace aux genoux, je peux glisser mes pieds un petit peu en dessous. Hop, petit accoudoir central, voilà, avec les deux petits portes gobelets. Et d'ailleurs oui, fait intéressant, il y a un porte-gobelet comme ça là, dans les portes arrière. Un grand porte-gobelet comme ça, là, il y en a le même de l'autre côté. Et la première fois que je vois ça, c'est assez étonnant. Par contre, on n'a pas de vide-poche. On n'a pas de vide-poche, ça c'est le revers de la médaille, puisque en fait ici c'est très imposant le repose-coude. Donc l'arrière des sièges avant, voilà, avec un accoudoir, un repose-tête assez imposant également. Les petites aumônières, un petit rangement ici. Et donc voilà cette sellerie tissu, avec des petits damiers comme ça, des petites formes là à l'arrière. Voilà, et les appuis-têtes qui font mal à la colonne vertébrale si vous les dépliez pas. Pas de trappe à ski là au milieu, hein, ça, vous partez pas en vacances au ski avec, à Méribel, ou bien il faut mettre au-dessus, sur la galerie, il faut mettre une galerie et il faut mettre le porte-ski, quoi, voilà. Ciel de toit noir, alors c'est du tissu, hein, c'est pas de l'alcantara, faut pas non plus... Abusez pas, on est chez Toyota, on n'est pas chez Lexus. Alors je vais rester à l'intérieur pour donner quelques autres petits points. Forcément, le freinage, c'est du freinage à disque aux quatre coins, à l'avant et à l'arrière. On est à l'intérieur, j'en profite, c'est que les contre-portes, alors ici à l'arrière, eh bien c'est du plastique dur ici partout, voilà. Et à l'avant, et eh bien on le verra juste après en passant, à l'avant c'est moussé sur les contre-portes ici au dessus et on a une planche de bord entièrement moussée ici en haut et une grosse nappe en cuir ici, la grosse nappe à papy et à mamie en cuir là. C'est quand même plutôt du bel effet, hein. Ça reste une Corolla, ça reste Toyota, mais ils ont forcé, c'est bien. C'est aussi une voiture qui a quelques aides à la conduite, notamment les limiteurs de vitesse classiques. Et il y a aussi un régulateur adaptatif, mais j'ai pas trop réussi à le faire fonctionner. Donc régulateur qui va fonctionner avec un capteur qui est sur le devant de la voiture, ou même, je suis en train de le voir là, ça doit être ce truc là à côté.
du rétroviseur central, et puis il doit y avoir quelque chose là-dedans, qui vient regarder devant vous ce qui se passe, et donc réguler la vitesse par rapport à la voiture qui est devant vous. Il y a l'aide au maintien de voie qui capte les lignes blanches pour vous garder donc entre les lignes blanches. Phare et celui-là, c'est automatique, et là du keyless, donc vous pouvez garder les clés dans votre poche, dans une sacoche, peu importe. Du moment que ça arrive dans le périmètre de la voiture, vous ouvrez la voiture sans la clé, vous démarrez la voiture sans la clé, et vous fermez la voiture sans la clé. Enfin, la clé à côté, bien sûr. Frein de parc électrique, tableau de bord semi-numérique, comme je vais appeler ça, si vous voyez un petit peu l'extrait ici, on a un gros écran au milieu du tableau de bord qui vient afficher les informations telles que la vitesse à laquelle on roule, les consommations, le mode hybride, ce que fait la voiture si elle engage le thermique, si elle engage l'électrique, si elle fait les deux, et des aiguilles classiques, trois aiguilles à gauche et à droite au total, qui viennent afficher le régime moteur, le niveau de chauffe et l'essence, le mazout, ce qui vous reste comme autonomie thermique. L'écran multimédia également au centre de la planche de bord, qui a franchement des graphismes aujourd'hui en 2023 discutable, mais là sur ma version en tout cas, il est quand même équipé de CarPlay et de Android Auto. Oui, je sais pas, j'ai pas de téléphone Android et puis je me suis pas renseigné, mais en tout cas CarPlay ça marche. Donc au final, on s'en sort. T'arrives, tu branches ton iPhone, tu mets CarPlay et voilà, et ça roule. Hein. Tu fais GPS, tu fais musique, tu fais tout et puis voilà. Voilà globalement pour la petite présentation extérieure et la présentation fixe. On roule, on roule, hein. On roule. Hein. Allez, c'est parti. Faut que je bouge le micro. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ah, bonjour monsieur, vous êtes un ami de Montmirail ? Moi, qui suis Jacouille ? Inch'Allah que ça va le faire. Alors, sur la route, cette Toyota Corolla de 12e génération, eh bien, je vais reprendre l'expression de beaucoup de journalistes lorsqu'elle est sortie et qu'elle est arrivée en France, c'est que c'est un petit peu considéré comme la Volkswagen Golf de chez Toyota. Alors bien sûr, là on est en boîte automatique CVT, vous avez la motorisation hybride essence qui joue de concert avec cette boîte, et en fait... Au roulage, là je suis en mode éco. Vous avez trois modes d'ailleurs, on va la faire dans l'ordre. Vous avez trois modes de roulage, trois modes de conduite. Éco, normal et sport. On va parler tout de suite des différences, de ce qui peut changer, etc. entre les différents modes. Éco, le mode dans lequel je suis, les commandes sont souples, l'accélérateur, il est tout tranquille. Pour de la conduite en ville, ça c'est bon. Vous avez la voiture qui va privilégier le plus possible l'utilisation de la motorisation électrique, même si pour ça elle doit faire tourner comme ici, hein. Là le moteur thermique il tourne quand même, mais il est à 1000 tours minute, il reste à 1000 tours minute constamment. Alors si vraiment je demande à accélérer fort, là le moteur thermique va venir en aide du moteur électrique, mais en conduite tout à fait calmement normale en ville, le moteur thermique il reste à 1000 tours, et ça pour recharger la batterie et aussi venir en soutien je dirais justement de la batterie lors des accélérations qui se font du coup en mode électrique, comme là par exemple. Moi sur le tableau de bord j'ai une petite animation que je me suis mis, c'est une des animations, une des pages sur lesquelles vous pouvez vous mettre, qui vous montre ce qui se passe. Qu'est-ce que fait la voiture? Est-ce qu'elle est en électrique? Est-ce qu'elle est en hybride? Est-ce qu'elle est en full thermique? Et ça vous montre quand est-ce que la batterie se recharge, quand est-ce que le moteur électrique envoie la patate ou inversement. Et c'est vachement pratique parce que du coup, on peut se responsabiliser à se dire, bah putain, il ne faut pas que j'accélère de trop pour rester sur l'utilisation du moteur électrique. Donc, beaucoup moins consommer d'essence, voire ne pas en consommer du tout si le moteur électrique s'arrête complètement. Parce que oui, il y a quand même des périodes où le moteur électrique s'arrête complètement. Tour minute, mais étant donné l'autonomie qui est pas très élevée, en tout cas moi sur mon modèle j'ai pas remarqué une autonomie extraordinaire en électrique, et bien vous avez très vite, comme ici ça monte légèrement, là je suis c'est une accélération que je qualifie de normale, et bien vous êtes tout de suite à avoir le moteur thermique qui vient en aide de l'électrique. Voilà, ça c'est pour le mode éco, je rentre pas plus dans le détail que ça parce qu'il y a beaucoup de subtilités, beaucoup de choses à connaître. Le mode normal, c'est je dirais similaire au mode éco, sauf que vous allez avoir une répartition
entre l'électrique et le thermique qui va être, on va dire, un petit peu moins en faveur de l'utilisation du moteur électrique pour bouger la voiture. C'est globalement la même chose, mais du coup, la voiture va un peu moins privilégier le moteur électrique. Bien sûr, sur la boîte de vitesse, vous avez un mode drive et un mode brake, un mode B. Donc pour le freinage régénératif qui là aussi vient aider à la recharge de la batterie en supplément. Mais donc vous avez, bah comme là, le gros démarrage que je viens de faire, là le moteur thermique, je dirais, est venu quasi à pleine puissance, même si je suis en mode éco. Mais donc le mode normal, c'est ça, c'est que vous avez donc une voiture qui va quand même rester hybride, parce que c'est sa base, elle est hybride cette voiture. Mais l'utilisation du moteur électrique va être un petit peu moins, pas pertinente, mais un petit peu moins présente. Au niveau de la direction et de l'accélérateur, j'ai pas remarqué de changement, peut-être au niveau de la direction, surtout à haute vitesse, mais je peux pas être franc et confirmatif avec vous. Je n'ai pas forcément ressenti de changement. Là où il y a vraiment du changement un peu plus précis que ça, un peu plus notable, c'est sur le mode sport. Là, le mode sport, effectivement, vous avez de la patate. Là, le moteur électrique passe vraiment en arrière-plan et vous avez un moteur thermique qui vient vraiment pousser la voiture, qui vient vraiment aider beaucoup plus le moteur électrique pour faire avancer la voiture. En plus de ça, vous avez un accélérateur qui est beaucoup plus sensible. Ça vous donne des départs à un feu, à un stop, peu importe. Ça vous donne des départs, sans mentir, presque dignes d'une Tesla Model 3. Sans mentir, vous avez quelque chose, c'est instantané, quasi instantané en fait les départs, parce qu'en fait quand vous appuyez sur l'accélérateur au tout début, sur le premier instant d'accélération, c'est le moteur électrique qui pousse la voiture. Et après, s'il y a besoin, si l'électronique considère qu'il y a besoin du moteur thermique, là le moteur thermique vient en soutien, en appui avec la boîte CVT. Et ça du coup en mode sport, avec l'accélérateur qui est vachement plus sensible, le moteur thermique qui est plus présent, vous avez du coup donc des départs et des accélérations qui se font vachement plus franchement. Et c'est pas mal lorsque par exemple vous êtes sur des petites routes de montagne, par exemple, si vous voulez vous amuser un petit peu. Alors dans les limites du châssis de la Corolla, bien évidemment, hein, ça reste une berline, voilà, il n'y a pas des suspensions Bilstein, elle est pas rabaissée, voilà, c'est une voiture normale. Donc à un moment donné, ouais, si vous forcez et que vous faites le con, ça va décrocher. Mais du coup, voilà, c'est avec le mode sport, on a vraiment un ressenti de voiture qui bouge, qui avance en fait, qui se traîne pas vraiment. Et en plus, vous avez la direction qui se durcit avec la vitesse. Donc ça donne vraiment un gros ressenti sportif sur la conduite de cette Toyota qui, ben, en mode normal et en mode éco, se révèle être une berline très confortable. Les suspensions, les sièges, la direction, l'accélération, c'est en mode normal et en mode éco, c'est la... Je vais pas dire la berline parfaite, mais c'est une très bonne voiture pour se mouvoir en ville et en extra-urbain. C'est vraiment pas mal. Et je me suis embranqué dans un cul-de-sac. Génial, super. Je connais bien les routes par ici. Le volant, lui, ben, un volant que je qualifierais de cuir, voilà, avec des surpiqûres noires. Là, c'est une voiture qui est pas neuve, donc forcément, le cuir, on voit qu'il commence à avoir une petite usure. Il faut savoir qu'elle est de 2019. Ce modèle ici qu'on essaye, elle est de 2019. Donc effectivement, on sent même sur le levier de vitesse, on voit que le temps a commencé à faire un petit peu son œuvre. Alors ça fait pas voiture usée, mais on sent que voilà, le temps passe et il n'y a peut-être pas forcément eu un entretien des cuirs sur le temps. Donc bah, le temps fait son œuvre. Alors un truc qui peut un petit peu dénoter, moi je trouve, c'est que autant l'extérieur de cette Corolla, quand vous la voyez, vous dites, ah putain, il se passe quand même un petit quelque chose, hein. Ça envoie quand même quelque chose. On se dit, putain, c'est Toyota, ils font ça, quoi. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Par contre, quand vous arrivez à l'intérieur, il y a un peu moins quelque chose qui se passe, et surtout quand vous rivez vos yeux au début, hein, quand vous n'êtes pas habitué, sur le volant. Vous avez l'impression que le volant, c'est quelque chose, je dirais, d'une génération de Toyota précédente, à cette Corolla, qui sont venus repêcher et greffer sur cette Corolla parce qu'ils ont oublié de dessiner un volant. Bon, après, moi, en ayant eu la voiture déjà là depuis quelques jours, on s'y habitue en fait, et bon, bah, ça passe. Voilà,
c'est un volant. Et au début, vous avez cette impression de se dire, mais c'est quoi cette verrue? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont mis ça? Et tout le reste, c'est à peu près, ça envoie à peu près du lourd. Il y a le volant, là, ce volant. On comprend pas, c'est pas. Alors ça vient que maintenant, je suis désolé, mais je vais vous parler de la clim. Vous avez une climatisation, forcément, ici, qui est automatique. Alors on peut la débrayer, appuyer sur les modes qu'on veut, faire ce qu'on souhaite. Bizone. On peut séparer les deux zones, le conducteur et le passager. Et c'est une climatisation qui dispose, elle aussi, de trois modes. Un mode éco, qui s'active en même temps que le mode éco de la voiture pour la conduite. Vous avez un mode normal, c'est-à-dire vous avez la température qui est indiquée à l'afficheur et rien d'écrit à côté. Et vous avez aussi un mode fast. Alors ça, ce mode fast, il va s'activer lorsque vous n'êtes pas en mode éco pour la conduite de la voiture, et du coup il va vraiment aider à refroidir le plus vite possible la voiture, l'intérieur, l'habitacle de la voiture. Et là en été, là dans les Alpes-Maritimes, il fait 30 degrés alors que partout ailleurs en France il fait 20 degrés. Et ben elle marche bien, la clim, elle marche. Donc voilà également pour la clim. Donc trois modes: éco, un mode normal et un mode fast. Conclusion du coup pour cette Toyota Corolla de 12e génération de 2019, donc les premières. En occasion, est-ce que je vous conseillerais de l'acheter? Alors mes conseils, ouais, les voilà aussi mes conseils. Bah écoutez, si vous cherchez, je me suis pas renseigné sur les prix, je vous laisse vous renseigner, vous recherchez Toyota Corolla sur votre site de vente automobile d'occasion préférée. Mais franchement, cette Toyota Corolla, si vous cherchez une berline, c'est une voiture que moi je vous conseillerais quand même de mettre de côté, d'avoir l'œil dessus, parce que mine de rien, c'est Toyota, donc ça va être un prix en dessous des autres marques type Peugeot, Citroën, Renault et consorts, les Européens on va dire. Et justement, pour un prix un peu moins élevé, vous allez avoir des prestations qui globalement restent identiques. Une voiture qui est pas trop mal maintenue sur ses appuis, un style qui envoie d'une certaine manière quand même quelque chose, et un intérieur, justement en parlant du style, un intérieur qui fait quand même son effet malgré au début là cette verrue du volant où on n'est pas trop habitué, on se dit merde, ça vient d'où ça. Moi en tout cas je me suis dit ça. Donc cette Toyota Corolla en 12e génération en occasion, et moi je vous la conseille. Comme je disais, à la rigueur, gardez-la de côté si vous n'êtes pas trop comme ça là. Ouais, mais j'aimerais quand même une Volkswagen ou une Citroën, machin. Bon, vous mettez quand même la Toyota Corolla de côté, en mode, on va regarder, t'inquiète pas, si je trouve rien, je prends ça. Voilà, c'est typiquement ce que je viens de dire. Si vous trouvez pas au prix que vous voulez, une Renault Mégane par exemple, rien que ça, une Mégane 4, si vous n'arrivez pas à en trouver une qui vous plaît parce que elles sont trop chères, pour moi, vous pouvez dignement... En plus, vous avez une hybride, l'hybride Toyota qui est hyper fiable. Vous pouvez vous rabattre du coup sur cette Toyota Corolla hybride de 12e génération. Parce que vous en aurez pour votre argent, pour un peu moins cher que les autres voitures un peu plus classiques, vous avez des prestations qui sont tout à fait dignes d'une berline de ce segment. Voilà pour la conclusion du coup de cette essai. Alors, je fais ça en fin de vidéo, mais je tiens un petit peu à m'excuser, entre guillemets, peut-être du manque de plan dynamique qui aurait pu rendre la vidéo un petit peu plus intéressante. Je suis tout seul pour faire la vidéo, donc c'est compliqué. S'il faut à chaque... Puis en plus, sous cette chrana, frère, il fait 30 degrés, c'est n'importe quoi. S'il faut à chaque fois trouver un endroit, s'arrêter quelque part, poser la caméra, tourner, partir avec la voiture, revenir chercher la caméra, etc. Tout seul... C'est compliqué. Donc j'espère que vous serez indulgent avec cette vidéo. Et voilà moi en tout cas ce que je pouvais vous dire sur cette Corolla de 12e génération. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit, une excellente matinée. Tout dépend de quand est-ce que vous avez regardé cette vidéo. N'oubliez pas également les réseaux sociaux de la chaîne Facebook, Instagram et Twitter qui sont en dessous de la description. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, comme dirait notre ami Alex, Alpha Delta 06. Ciao, bye.